Vous passez de moins en moins de temps sur Facebook Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 322. Bon, j'espère que vous avez la grande forme, la grosse patate. Euh, moi, tout va bien, vous voyez, hein, j'ai retrouvé petit à petit ma voix. Et Par contre, c'est vrai que bah, si je vous fais cette accroche-là, si je voulais vous parler un petit peu aujourd'hui de Facebook et d'un petit constat que j'ai fait... Et euh, alors Hier c'était amusant d'ailleurs parce qu'il m'est arrivé deux trucs qu'on pourrait mettre conjointement. La première chose c'est que j'en parle. J'avais une journée de, j'ai trois jours de formation. Et euh, premier contact avec une, une personne de la formation qui me dit bah moi Facebook de toute façon c'est pour les plus vieux. J'y passe plus du temps. Je me connecte plus du tout dessus. Et c'était un avis que t'es pas globalement partagé mais t'es relativement partagé. Et puis et le soir en rentrant je me suis fait une, une réflexion, un petit peu une, une remarque. Et je me suis rappelé surtout d'une promesse que je m'étais faite. Euh, dans le... Hier dans le bus, donc après la journée de formation, je rentre tranquillement, euh, voilà, et un peu machinalement, je vais voir sur les réseaux sociaux voir ce qui s'est passé. Alors je fais d'abord Instagram, Twitter, et puis euh, j'arrive sur Facebook. Et là, il y a une discussion sur le rugby entre un ami de Facebook et des supporters d'une autre équipe après le match de ce week-end. Je regarde la discussion, il y a des arguments qui me font vraiment bondir. J'appuie sur le bouton répondre et je commence à rédiger une réponse. Et puis finalement, juste avant d'appuyer sur le bouton voyez, j'évalue ma réponse, je pense ensuite aux réactions que ça peut provoquer, la discussion qui peut s'en suivre, les petites notifications qui vont apparaître, peut-être ma, mon attente aussi des notifications. Et là, c'est là où je repense à la résolution que j'ai prise avec moi-même il y a quelques temps. Ne plus répondre aux inconnus sur les réseaux sociaux en dehors des groupes auxquels je participe. Oui, c'est ça. Ma ligne de conduite, c'est ça. Ne plus répondre aux inconnus sur les réseaux sociaux en dehors des groupes auxquels je participe. Alors, c'est surtout une règle qui a une valeur assez importante sur, sur Facebook et un petit peu moins ailleurs. C'est en fait ma nouvelle ligne de conduite, on va dire, pour Facebook, c'est-à-dire de ne pas perdre de temps en allant me mêler à des discussions. Qui me sont proposés par les réseaux sociaux parce que c'est lancé par un ami, parce que un ami a participé sur un compte que je ne connais pas et ce qui était le cas hier et qui ne sont là en fait que pour me faire passer du temps chez eux. L'objectif pour moi c'est de prendre plus de temps pour discuter sur des vrais sujets qui m'intéressent et quand je dis des vrais sujets qui m'intéressent c'est éviter d'aller rentrer dans des discussions. Alors dans ces discussions un petit peu stériles il euh, y a le sport hein, beaucoup, il y a la politique euh, beaucoup aussi et puis des fois il peut y avoir des euh, des, des sujets un petit peu divers. Et variés, on va dire sociétaux, etc. Il y a des arguments qui me font mourir, Et j'ai décidé que je n'ai pas partir en guerre systématiquement, euh, même si, franchement, des fois, ça le mériterait. Mais en tout cas, souvent, souvent, j'estime que j'ai autre chose à faire. Euh, l'autre but aussi, l'autre objectif, c'est d'échanger avec mes vrais contacts, les fans, les personnes qui me posent des questions, vous qui écoutez le podcast. Euh, c'est de discuter par exemple plus euh, dans euh, le forum, c'est d'échanger plus souvent par en message privé, j'ai plus de notifications privées, plus de mails, vous voyez, c'est de répondre plus rapidement aux mail. Tout ça, hein, c'est ces interactions humaines, ces interactions directes que je vais privilégier sur des discussions parfois stériles sur facebook et sur certains réseaux sociaux c'est aussi quand même euh, aller discuter dans des groupes euh, facebook pour euh, progresser pour aider mais aussi me faire connaître euh, là je garde ces stratégies là c'est là où finalement aussi je vais aller discuter avec des inconnus mais qui ne sont pas vraiment des inconnus euh, au sens où c'est facebook qui me propose une discussion qui vient de je ne sais pas d'où parce que tout simplement quelqu'un de mes amis a participé c'est parce que j'ai choisi de faire partie de certains groupes que j'estime intéressant ou j'estime pertinent pour ce que je fais. Et dans ce cas-là, bah, je surveille les discussions. S'il y a une discussion qui est pertinente pour moi, je vais aller apporter ma réponse. Euh, des fois, ça peut partir en vrille. Voilà, c'est à moi de vérifier aussi un petit peu de la manière dont je réponds, à quoi je réponds. Il y a des fois des discussions très clairement où, au bout d'un moment, je me dis mais. Euh, j'ai pas envie d'y répondre ou euh, j'ai l'impression qu'on répond toujours à la même question et où, vous voyez j'avais un petit peu l'autre jour j'avais un petit peu envie de faire une réponse mais il y a un moteur de recherche pour ça puis je, finalement je me suis dit, bon les moteurs de recherche des groupes euh, Facebook euh, sont pas terribles 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 et c'est aussi pour ça que j'ai créé le forum hein, club point votre coach web parce que justement hein, c'est que je trouve que dessus on a un vrai moteur de recherche et que c'est plus facile de rechercher de l'information plus il y aura d'informations qui seront dans le forum plus, ça se viendra facile de trouver des choses. Et alors que si on mettait tout ça dans le groupe Facebook, qui est un petit peu à l'abandon, c'est vrai, et ben, ça serait un petit peu compliqué de retrouver toutes ces choses-là. Euh, à quoi ça me sert aussi cet objectif-là ben c'est finalement de passer moins de temps sur ces outils-là et passer plus de temps à lire, écrire, produire du contenu, avancer sur mes projets, euh, avancer sur mon écriture de, de mon livre par exemple, profiter de ma fille ou faire du sport, vous voyez en ce moment je suis en, en préparation marathon, préparation marathon c'est à dire que je vais courir entre 2 heures et 3 heures le week-end, que j'ai euh, deux autres entraînements avec le club, hein, à chaque fois 1h30 plus une petite heure à côté de, de running. vous voyez il se fait quatre séances, bon si on regarde ça, ça fait 6 ou 7 heures d'entraînement par semaine, bon bah il faut les placer, et ben, bah, c'est du temps que euh, je grignote petit à petit sur des discussions sur Facebook, etc. Parce qu'il fut une époque où je me rendais compte que je voulais partir tôt le matin, euh, voyez, ou, ou dans la matinée, et puis je commençais à faire des choses, et puis je commençais à aller regarder un petit peu ce qui se passait sur les réseaux sociaux, de lien en lien, de discussion en discussion, ben on finissait par passer beaucoup de temps dessus. Il y a ainsi pour moi la volonté de diminuer petit à petit ma dose de présence sur les réseaux sociaux, en tout cas... C'est pas en publication, mais c'est vraiment en temps de présence vraiment physique, enfin physique. Je sais pas si on peut dire un temps de physique dessus, euh, mais je continue à publier. Mais la différence, c'est que je le fais par des outils intermédiaires. Euh, je programme toutes mes publications par Coskedel, mais j'aurais pu faire par Buffer ou par d'autres services hein, ou par Deliverit. Euh, J'en programme aussi par microblog. Hein, C'est-à-dire microblog, c'est mon euh, microblog. Euh, oui, c'est le cas de le dire. C'est euh, si vous allez sur Bertrand.Soulier.xyz, en fait, c'est là où je mets des informations. En fait c'est là que je publie mes tweets, et mes tweets sont ensuite rediffusés sur Twitter, oui, c'est comme ça, en fait, pourquoi je le fais, c'est que mes tweets, comme ça, ont une plus grande valeur dans le temps, c'est vraiment un espace, alors, s'il y a des tweets que je l'estime qui n'ont pas une grosse valeur, et qui n'auront pas besoin de durer dans le temps, eh ben, je les publie directement, ou par schedule et si, euh, vraiment, j'ai des choses que je veux garder dans le temps, des réflexions, etc., là, par contre, je les mets sur ce micro-blog, bertrand.soulier.xyz. Bon, au final... Euh, ces outils-là ne peuvent plus publier sur, sur un profil Facebook parce que Facebook a coupé les API ou va en tout cas les couper dans pas longtemps. Petit à petit, mon profil se vide de ma présence. Je n'ai pas regardé depuis combien de temps je n'ai pas publié vraiment de statut, mais il y a un constat que je fais, c'est que tous les jours, tous les jours, Facebook me propose un truc, il m'a dit, il y a 7 ans vous avez publié ça, il y a 8 ans vous avez publié ça, voici votre meilleure publication, etc. Vous devriez la repartager à vos amis, ça leur ferait plaisir de savoir que vous existez. Et non, et en fait je ne le fais pas. En fait, je me suis rendu compte ce matin, je n'ai passé que 57 minutes sur Facebook dans les 7 derniers jours sur mon iPhone ce qui était un, un temps qui est très 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 faible hein. si on rajoute allez je veux dire j'en passe à peu près autant sur mon ordinateur ça fait deux heures Et une époque j'avais estimé je passais 17 heures à 18 heures voire 20 heures sur Facebook entre la gestion des clients la veille la discussion avec les gens etc euh, c'était pas cette année hein. c'était plutôt l'an dernier ou il y a deux ans mais finalement, euh, ce phénomène, ce... là-dedans, euh, je l'ai bien accéléré. Ça semble embêter très clairement Facebook, hein, qui m'envoie maintenant en plus des notifications, commence à m'envoyer des mails pour euh, je veux dire mais vous êtes passé où Des gens aimeraient avoir de vos nouvelles, etc. Euh, C'est plutôt un bon signe. C'est pas plus mal ainsi. Hein, voilà, ça veut tout simplement dire que quelque part, euh, ils commence à voir que euh, que j'ai plus envie de les voir. Voilà, tout simplement, ou j'ai moins envie de les voir, ou en tout cas, j'ai pas envie de leur laisser trop mon temps dessus. Alors, bien sûr, ça ne marche pas partout. Euh, au total, la semaine dernière, sur les 7 derniers jours, j'ai passé 11h55 sur les réseaux sociaux, euh, sur mon iPhone, hein, c'est mon iPhone qui le dit. On va rajouter un petit peu de temps. Alors, je n'ai pas regardé toutes mes stats, j'ai des logiciels qui suivent ça sur, mon, sur mes ordinateurs. Mais même si on rajoutait 2-3 heures de plus hein, sur, sur mes Macs, ça fait environ 5 heures sur Twitter pour ma veille, tout autant sur Instagram, qui est un réseau prioritaire pour moi depuis quelques mois. Tant pour faire connaître mes contenus que pour aussi préparer des contenus. Je fais des formations sur le sujet. On me demande des conseils sur le sujet. C'est vraiment un réseau qui se développe très vite. Euh, donc là-dessus, j'ai du temps. J'ai investi du temps. J'ai investi euh, de la, on va dire du temps de cerveau pour euh, comprendre le fonctionnement. J'ai investi de, de, de la réflexion. J'ai investi du temps pour faire mes photos, etc. Donc c'est un, un réseau qui est pour moi prioritaire. C'est pour ça que j'y passe du temps dessus. Mais 5 heures, c'est pas un temps énorme vraiment en, en, en Semaine à peu près, j'avais estimé qu'il faudrait y passer environ deux heures par jour, ça voudrait dire 14 heures pour vraiment avoir une présence qui soit vraiment plus forte dessus. Euh, mais voilà, moi je suis à autour de, de 5 heures, vous voyez, mais finalement 11h55 sur les réseaux sociaux. Sur sept jours, ça fait quand même une moyenne qui est inférieure à deux heures, et finalement, bah, ça veut dire que c'est pas si mal que ça. Ça fait une grosse baisse. Bon, à bien y regarder, c'est quand même un temps qui reste important, hein, que je pourrais consacrer à plein d'autres choses finalement. Quand on y regarde, à une époque, bah, ce temps ne partait pas sur les réseaux sociaux, mais il pourrait partir sur mes flux RSS, etc. À une époque, je passais beaucoup plus de temps sur les flux RSS, mais Petit à petit, en fait, je me rends compte aussi que je passe de plus en plus de temps à nouveau sur mes flux RSS, euh, tout simplement pour ma veille. Et oui, je redéplace euh, ma veille sur les flux RSS, petit à petit, pour justement euh, contrôler, contrôler ce que j'ai envie de lire, quels sont les blogs que j'ai envie de lire. Et à côté de ça, ma Twitter reste un univers de, on va dire, de discussion, mais aussi euh, de découverte, avec des flux qui me sont amenés par des contacts. Hein. Vous savez je ne suis pas énormément de gens. Euh, j'étais descendu à moins de 100 personnes, je suis remonté, je suis entre, on va dire 150 et 200, peut-être, j'ai pas regardé ce matin, mais quelque part, ça reste un moyen de découverte parce que quand vous faites des retweets, des retweets de messages intéressants, bah moi ça me permet de découvrir des nouvelles sources. Euh, donc c'est un temps qui reste relativement important, mais pas si important que ça. Hein. Quand je compare un petit peu, je discute autour de moi avec des étudiants, avec d'autres personnes, sur le temps qu'ils y passent. Et ben bah je me rends compte que c'est beaucoup plus important pour eux. Mais ce temps-là reste nécessaire pour progresser, apprendre, diffuser mon message. Euh, on peut pas non plus faire une croix sur les réseaux sociaux. C'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vous faire part un petit peu de ma réflexion, de là où j'en étais. Mais 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 voilà, on peut pas non plus faire une croix dessus. Je crois qu'il est temps vraiment qu'on regarde le temps qu'on passe dessus, qu'on essaye de soigner légèrement notre nos addictions, c'est-à-dire cette, compu cette euh, vérification compulsive. Mais on a eu une vérification compulsive, par exemple sur les mails. Il y a des personnes qui passent euh, je sais pas, qui vérifient leur mail 5, 10, 10 fois par jour, qui les vérifient toutes les heures. Moi, mon idée, c'est de dire faudrait vérifier que deux fois par jour, mais on pourrait avoir des, des addictions, enfin, je dis addictions entre guillemets, sur d'autres applications, sur des jeux, des choses comme ça, où finalement, on finit par les démarrer sans trop s'en rendre compte. Il euh, y a à un moment donné, c'est un usage plutôt raisonné, je trouve, voilà. Euh, et c'est ce dont je voulais faire part aujourd'hui. C'est-à-dire que cet usage raisonné, c'est pas dire je dois faire une croix dessus. C'est juste dire, bah, je je sais, j'ai compris. Euh, Qu'est-ce qui me faisait perdre du temps dessus Dans mon cas, sur Facebook, c'est clairement partir du temps dans des discussions qui s'avèrent stériles. Alors quand je dis ne plus discuter avec des gens que je ne connais pas, bah, des fois euh, ça peut être le cas quand même quand y a quelques discussions qui remontent. Mais je préfère vraiment aller passer du temps avec des discussions avec des gens que je connais vraiment physiquement, hein, c'est une de mes règles sur Facebook, c'est plutôt de suivre des gens que je connais réellement, ou avec lesquels j'ai déjà au moyen des interactions, et euh, les passer sur des endroits où j'ai choisi d'être, et les groupes Facebook sont des endroits que j'ai choisi de suivre plus que d'autres, il euh, n'y a pas un nombre, grand nombre de, de groupes Facebook, il y en a quelques-uns, et à côté de ça, eh ben c'est vrai que je gagne du temps à finalement arrêter de discuter de tout et de n'importe quoi avec euh, des gens où finalement, des fois, vous voyez, il y a des discussions, je, me, je vois des choses, je me dis mais pourquoi t'as perdu autant de temps là-dedans allez, je continue à soigner euh, donc un petit peu tout ça, à reprendre le contrôle de mon temps, et hein, j'ai dit je revole. Euh, un petit peu ce temps que les réseaux sociaux m'avaient revolé, bah je le reprends à eux je le reprends pour moi, je sais pas vous quelle est votre stratégie, comment vous voyez ça comment vous gérez ça, ça m'intéresse qu'on en discute euh, vous pouvez m'envoyer un petit message, vous pouvez mettre des petits messages des commentaires, des réactions, etc et puis bien sûr on se retrouve dans le forum club.votrecoachweb.com pour discuter de tout ça je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode ciao ciao les créateurs